À Saint-Savigny, c'est sous les éclats de l'harmonie municipale que le général stoppe sa voiture devant la petite gare de la localité, face au champ de foire. Monsieur le maire, Robert Sellerier, présente son message de bienvenue et c'est la jeune Marie-Hélène Bettel, superbement habillée en saintongeaise, qui offre la traditionnelle gerbe de fleurs. Donc voilà, la petite fille ici, c'est moi, j'avais donc à peine 10 ans. Mon papa était au conseil municipal, donc comme il connaissait bien Monsieur Sellerier le maire, j'avais été choisie et habillée en petite saintongeaise. Et donc j'ai fait un petit discours au général de Gaulle, j'ai eu droit à une bise du général de Gaulle. Ensuite je suis allée porter le bouquet de fleurs à sa femme qui était dans la voiture, qui ne sortait pas de la voiture. Et donc j'ai pu la voir, elle m'a remerciée et... Voilà déjà ce que je peux vous raconter. Donc, ça fait déjà longtemps, mais bon. C'est surtout le souvenir de sa vie, parce que bon, il était très grand et moi petite. Ça m'avait impressionné. Bien sûr. Donc, vous avez ensuite ici la musique, la fanfare de Saint-Savinien. Et à l'époque, c'était Monsieur Sauvanet qui dirigeait. Donc, voilà. Donc, ensuite, ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc, toujours bon. Je suis toujours au milieu. Habillé en saintongeaise, monsieur le maire, donc on parlait de monsieur de Mecknem, qui était le médecin saint-savinien, monsieur Giraud, qui était aussi au conseil municipal, et le général. Donc ici on le retrouve, alors on ne voit pas sa femme, mais qui est dans la voiture, donc lui dit au revoir à toute la... Ici vous aviez l'école, tous les enfants de l'école qui étaient là pour le recevoir. Et voilà, donc... Ah, ça a été interverti parce que ça, c'était après les musiciens. Et vous avez adressé donc à la présidence ce oui, même... Voilà, ce même... Bon, voilà, le même, là, ce petit album, écrit de ma main. Donc il a été envoyé au général de Gaulle et donc ça, c'était le 14 juin. Et dès le 27 juin, j'avais une lettre du général de Gaulle disant qu'il avait... Vous m'avez fait un réel plaisir en m'adressant ce joli album qui m'a donné l'occasion d'évoquer l'accueil réconfortant de la municipalité et des habitants de Saint-Savinien. Et donc après, signé de sa main. Donc c'est un très bon souvenir à garder à vie. Seconde ville du département et capitale historique de la Saintonge, nous voici arrivés à Sainte. C'est par le pont Bernard Palissy que le cortège se dirige vers l'hôtel de ville où nous attend le maire et ancien résistant déporté, André Maudet. Dans la cour de la mairie, une double rangée d'honneurs est formée par le groupe folklorique d'Aunis et Saintonge. À l'avancée du président de la République, deux jeunes filles en habit régional, Eliane Margelli et Jocelyne Patry, escortent celui-ci jusqu'à l'entrée. Mais c'est Nicole Fourgeot qui remet la traditionnelle gerbe de fleurs pendant que la société colombophile Le Messager procédait à un lâcher de pigeons. Monsieur le Président, au nom de notre ville de Sainte, permettez-moi de vous accueillir avec ce modeste bouquet. Je vous remercie, mademoiselle. Voilà les belles fleurs, vous êtes bien aimable. Monsieur le maire prendra place aux côtés du général dans la fière chambord pour rejoindre la tribune installée place Foch devant le palais de justice. Le convoi remonte la rue Alsace-Lorraine entre deux haies d'honneur formées par les apprentis mécaniciens de l'école d'aviation de Pavan. Dans son discours, place Foch, une foule impressionnante,
c'est déjà amassé, le président évoquera son premier passage à Saintes le 18 septembre 1944, à l'époque de la libération de Royan et La Rochelle. En particulier pour cette belle jeunesse que vous me montrez aujourd'hui, lui permettra de vivre sa vie, de fonder des familles, d'organiser son travail, de faire avancer sa condition et son destin, et en même temps celui de la patrie tout entière.